Bonjour, merci à tous d'être présents aujourd'hui pour regarder cette vidéo. Donc je vais vous refaire un peu la présentation de l'oracle Lyon, l'oracle que j'ai créé avec Manuela Merrer. Un oracle plutôt sentimental, mais il peut aussi répondre à des questions en général, mais c'est principalement sentimental. Donc un oracle basé un petit peu sur ma vie personnelle. J'ai tellement eu en niveau de ma vie sentimentale un peu de tout, je suis passée un peu par toutes les étapes, positif, négatif, que je me suis dit pourquoi pas mettre mon vécu dans un oracle. Et voilà mon petit bébé qui est présent devant vous. Donc je vais vous présenter les différents paquets de cartes qui sont là. Chaque paquet est dans un groupe, on va dire. Et voilà, je vais vous les présenter tranquillement. Alors, je vois que ici, on ne voit pas très bien. Hop, donc on va voir ça. C'est parti. Donc, on va essayer de faire comme ça, voilà. Donc, vous avez dans un premier temps, vous avez... on va commencer par... celle-là. Vous avez les cartes temporelles. Donc vous avez 5 cartes, un jour, une semaine, un mois, un an, 2 ans. Ce sont des cartes qui vont vous donner des informations au niveau à quel moment va se passer telle situation dans l'oracle Lyon. Donc soit vous les tirez dans un tirage global avec toutes les cartes, soit vous prenez ces cartes-là, vous les retournez et vous les mélangez. Vous faites tirer soit c'est vous, soit à votre cliente pour avoir un petit peu le délai de la situation en question qui se passera. J'ai oublié de vous dire que l'oracle est assez volumineux, hein, il fait 118 cartes en tout. Donc voilà, vous avez du coup les 4 cartes des saisons, printemps, été, automne et hiver. Vous avez du coup 2 cartes, le consultant et la consultante. Et vous avez aussi donc 3 cartes, peut-être, le non et le oui. Donc si vous avez une question simple, vous devez avoir une réponse claire et nette. Soit vous prenez que ces 3 cartes-là de l'oracle et vous les mélangez. Et puis pareil, rebelote, vous tirez une des cartes, vous aurez votre réponse. Ou soit vous les incluez dans votre tirage pour avoir, avec d'autres cartes, plus d'informations sur la réponse. Donc voilà déjà un petit peu les petits paquets, on va dire. Et là, on va voir les 3 paquets. Alors, on va faire ça. L'oracle Lyon. Tac. Donc c'est parti. Donc vous allez avoir 49 cartes positives. Donc c'est le plus gros tas. 49 cartes positives. Donc là, comme vous pouvez voir, sont roses métallisées. Hein, c'est moi qui l'ai fait avec les crayons Posca. Sinon, c'est des tranches blanches. Et donc on va voir un petit peu toutes les cartes que comporte ce tas positif. Donc vous avez les nuits d'amour, les conseils, la force, célibataire, charismatique, marié, naissance, accouchement, cadeau présent, la fierté, famille, retrouvailles, maison, foyer, homme, femme mûre, respect, ami, choix, argent, bonheur, joie, la beauté, protection, ange, retour, rencontre amoureuse, on a les enfants, réflexion, méditation, le destin, la liberté. Donc vous voyez, c'est un oracle sentimental, mais on parle un petit peu quand même de tout. Hein. On a les nouvelles, rival, timide, générosité, aide, soutien. On a le sexe, on a pardonner, on a les vacances, loisirs, passion, festivité. On a le mariage, l'union, bébé, aide, accouchement, opération. Diplôme, études, formation, coup de foudre, on a les rêves, déménagement, on a avis, on a les coordonnées, échanges, cuisine, rendez-vous, en couple et médiumnité. Donc voilà un petit peu les 49 cartes de l'oracle au niveau des cartes
positives. D'accord ? Donc, on va les laisser juste là. Ça, ce sont les cartes positives. Ensuite, vous avez le groupe des cartes négatives avec le petit moins. Donc, des cartes un peu moins sympas. Et par exemple, où on peut parler par exemple de violence verbale, pervers narcissique, dépression naïve, accident, manipulateur narcissique, les risques, la médisance, l'annulation, le secret, perte, vol, colère, maladie, purifié, combat, problème, souci, drogué, cœur brisé, pauvreté, tromperie, amour sans limite, justice, arrestation, mauvais œil, violence matérielle, amour non réciproque, angoisse, violence psychologique cette fois-ci, les blocages, jalousie, violence verbale, conjugale, pardon, prison, enfermement, isolation, suicide, la peur, misère du monde, traumatisme et la tristesse, déception. Donc là, au niveau des cartes négatives, vous avez exactement 38 cartes dans ce tas. 38 cartes négatives, d'accord ? Donc 11 de moins que les positifs. 38 cartes pour les cartes négatives. Et ensuite, vous avez un dernier paquet de cartes. Ce sont des cartes à double sens. Donc, en fonction que vous tirez dans ce sens-là ou dans ce sens-là, là, ce sera plutôt des nouvelles positives. Alors, je vous le montre de plus près. Donc, ce sera plutôt, si vous le tirez dans ce sens-là, des nouvelles positives, hein, donc de bonnes nouvelles, des choses agréables. Et si vous le tirez dans ce sens-là, plutôt des mauvaises nouvelles, hein, des nouvelles désagréables, pas très bonnes pour le moral. On n'apprendra pas des choses faciles. Donc voilà, c'est des cartes à double sens, c'était pour pas les faire en double, parce que si je faisais une carte bonne nouvelle, une carte pas bonne nouvelle, enfin, voilà quoi. Par exemple, donc, on a les nouvelles, on a la mort, faim, le mal et le bien, les traditions positives et négatives. Donc pour moi, les traditions positives par rapport à mon histoire personnelle, c'était par exemple mon conjoint, comme il venait des îles, ben, les traditions positives, c'était un peu... la fête, les repas de famille, s'amuser, etc. Mais les traditions plutôt négatives pour moi, c'était qu'il y avait énormément d'alcool justement dans ces traditions, c'est-à-dire dans leur repas de famille, dans leur façon de faire, de penser également. C'était très compliqué, ils n'avaient pas du tout la même pensée que moi. Et du coup... pour moi, c'était le côté négatif des traditions. Donc, vous voyez, il y a deux façons de voir. Mais après, c'est mon histoire personnelle. Hein. Ça peut ne pas parler à d'autres personnes. Donc, on a assumé, pas assumé. Ange, démon, facilité d'avoir un enfant en difficulté, nostalgie positive, négative, dévoiler ses sentiments, ne pas dévoiler. On a l'ignorance, le savoir, les dépenses, dettes, patience, rapidité, départ, annulation. On a fort caractère, nul caractère, on a le travail positif, négatif, on a les pleurs de joie et de tristesse, on a la solitude et bien entouré, d'accord ? Donc voici un petit peu les cartes à double sens. Donc les cartes à double sens, vous en avez exactement 18. Donc voilà un petit peu les 118 cartes que présente cet oracle, donc l'oracle Lionne. Alors pourquoi je l'ai appelé Lionne ? Alors c'est simple, Lionne pour moi... ça représentait la force, hein. Voilà. J'ai adoré la chanson. Pourquoi aussi je l'ai appelée Lionne, pardon. La chanson de Dadju, si vous connaissez sa chanson Lionne. Concrètement, dans sa chanson, il parle des femmes qui sont fortes, ce soit des mères célibataires qui assument leurs enfants seules. Il n'y a personne pour les aider financièrement, que ce soit au niveau du travail. Nous les femmes, on gère les enfants, les maris, les, enfin tout quoi, on fait tout. Et du coup, pour moi, voilà quoi, c'est ça, cette chanson-là, ça me représentait mais hyper bien. Donc voilà pourquoi je l'ai appelée Lionne. Donc là, c'est censé en fait me représenter avec une petite larme, hein, parce que niveau sentimental, c'est la
catastrophe. Et du coup, bah voilà, c'était pour me représenter moi, femme forte. Hein. C'est pas pour me vanter, hein, mais c'est vrai que bon, ben, c'est pas évident des fois tous les jours. Et puis bon, ben, on peut pleurer, mais bon, on y arrivera toujours. De toute façon, on n'a pas le choix dans la vie, il faut y aller, quoi. Hein. Donc voilà, des couleurs pastel. Hein. Je voulais vraiment de belles couleurs. Donc les petits papillons pour un peu la transformation, pour me dire que voilà, un jour ou l'autre, ça y aura du changement. Le cœur, le yin et le yang, moi au milieu, toujours avec une petite larme. Voilà quoi. Donc voilà, je suis très contente de l'oracle. Il est très parlant en tout cas avec moi. J'ai reçu des bons avis positifs pour les premières personnes qui l'ont acheté. Donc je suis très contente aussi. Donc voilà quoi. Du niveau du tirage, bah, c'est simple, hein. Vous posez votre question. Donc vous voyez, même si c'est un oracle très volumineux. On peut mélanger les cartes sans aucun problème. Hein. J'ai plusieurs petits mots en me disant oui, mais il y a énormément de cartes, je vais pas réussir. Bah, vous voyez là, je suis en train de le faire. Il n'y a aucun problème. Hein. Elles se mélangent hyper bien, sont de très bonne qualité, ni trop fines, ni trop épaisses. Vous voyez, je les mélange hyper bien, quoi. Il n'y a aucun problème pour les mélanger. Vous tirez votre question, je ne sais pas si vous voulez faire présent, pas, pardon, passé, présent, et à quoi que je les ai retournés, il ne faut peut-être pas que je les retourne, les étés comme ça, hein. Ça a une signification si on, par rapport au sens. Et là, du coup, ça, passé, donc j'ai n'importe quoi, donc là, on a la médiumnité, présent, on a les amis, et puis futur, alors je ne vais pas le retourner, on a charismatique. Après voilà quoi, vous, en fonction de la question, vous retirez des cartes, vous faites des tirages en croix. Enfin voilà, après le tirage, peu importe. Hein, là, c'était pour vous montrer un petit peu pour le battement, le positionnement des cartes et tout. Mais voilà quoi, un petit peu pour la présentation, parce que j'avais fait une présentation des cartes de l'oracle de Lyon, mais j'avais pas mis mon téléphone bien horizontalement, c'était vertical, du coup on voyait pas très bien, donc. Donc voilà quoi, je suis très contente et je vous remercie de vos premiers achats. N'hésitez pas à me donner un petit peu vos avis en commentaire. Donc on ne sait jamais hein, si si je dois faire des modifications. Enfin voilà, n'hésitez pas à me donner tous vos avis. C'est bon à prendre quoi, mais des avis constructifs quoi, pas méchants, s'il vous plaît. Donc voilà, je vous fais des gros 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 bisous. Merci d'avoir suivi ma petite vidéo pour mon oracle de présentation de l'oracle Lyon. Je vous souhaite une bonne journée et à très vite. Merci.